Deux ENG ont publié, mardi 31 octobre, la liste de 425 « bombes carbone », des projets d'extraction de fossiles particulièrement émetteurs de CO2. Parmi les banques qui financent le plus ces projets figurent deux établissements financiers, BNP Paribas et le Crédit Agricole. Deux ENG françaises, Data for Good et Eclaircy, ont mis en ligne, mardi 31 octobre 2023, une carte du monde où apparaissent 425 « bombes carbone ». Bombe Carbone est un projet d'extraction de combustible fossile qui générera plus d'une gigatonne de CO, un GTCO, au cours de sa durée de vie restante, expliquent les deux ENG sur le site dédié au projet car Point » Des projets qui compromettent la lutte contre le réchauffement. Les projets recensés sont déjà en fonctionnement ou en phase de démarrage, précisent les ENG. Ils ont tous en commun de menacer significativement les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Qui appelle à respecter un certain budget carbone afin de rester en dessous de 1,5 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle? Dans le top 10 des banques qui ont le plus financé ces projets d'extraction en 2022 figurent deux banques françaises, BNP Paribas et le Crédit Agricole. Selon les chiffres dévoilés par les deux ENG, BNP Paribas a investi 6,38 milliards de dollars l'an passé dans ces bombes carbone, tandis que le Crédit Agricole a investi 8,08 milliards de dollars. La Chine, les États-Unis et la Russie en tête des pays émetteurs. Le monde précise que plus de la moitié de ces bombes carbone sont des mines de charbon, tandis que les autres sont des gisements de gaz et de pétrole. Le pays qui en compte le plus est la Chine, qui héberge un tiers des sites répertoriés et 28% des émissions potentielles à l'échelle mondiale, précise le quotidien. Les États-Unis et la Russie figurent en deuxième et troisième position des pays, en termes d'émissions sur toute la durée de vie des bombes à carbone nationales, précise le site Carbonbon. Parmi les entreprises qui portent le plus de projets considérés comme des bombes carbone, figure une entreprise française, Total Energies. Selon les chiffres des ENG, cette dernière serait impliquée dans 17 projets et figure au quatrième rang des entreprises les plus impliquées. Les trois premières sont China Energy, 41 projets, Saudi Aramco, 18 projets, et HKSCC Nominé Limited, 17 projets.